l'esprit aussi lent qu'une balle de tennis coulant le long d'un champ de maïs, je me réveille et enlève mes bouchons d'oreilles. Et dans mon lit, yeux pas encore ouverts, je me repasse mentalement la liste de choses à faire. Je me lève et j'allume la box et chauffe la cafetière en inox. Au-dessus de la multiprise penchée, il me faut plier les genoux. Ça craque de partout, je devrais me mettre au yoga et chanter un ou deux mantras. Mais je consacre ce premier temps aux médias, à m'imprégner et mourir un petit moment avec les ours, les renards et les courlis cendrés, tout en absorbant une banane écrasée, l'œil ouvert de sorte qu'on puisse presque rentrer dedans, et les doigts granuleux d'eczéma aux ongles cassés, pendant que boue et bouille le café. J'ai la mémoire raclée, et maintenant je déteste les feux d'artifice. Y pensant, je sens le cerf d'un aigle s'agrippant à ma cuisse. Puis, reprenant courage, le mouvement vif comme celui d'un guépard, bâillant à la sortie de sa troisième sieste en plein cagnard, je quitte mon navigateur et je prends la barre. J'ouvre mes films laissés en plan, il me reste quelques heures avant d'aller bosser. Je voudrais faire un de ces projets d'il y a 4 ans. Mais je ferai sans doute mieux de danser, car mes pieds maintenant sont raides comme ceux d'un mannequin de supermarché. Je retrouve des vidéos d'un monde de coton, d'une envie de conte historique à la con, le dessous des cartes en plus doux. Mais qui entre nous prend encore de l'histoire des leçons? Alors j'ai écrit une chanson. Voilà Josie qui se dit, où est-ce que je suis, d'où le sol semble fait de coton. Voilà Josie qui revit, dans l'au-delà qu'on nomme paradis, et partout les peuples sont mélangés, sans que cela semble les effrayer. C'est qu'ils n'y voient plus rien. Au loin, quelqu'un leur dit, c'est pour votre bien. Voilà Josie qui frémit. Elle pensait que ça irait, niveau réincarnation, même si de son vivant, elle avait pas eu tout bon. C'était sans compter sur l'humour anglais et le grand sens du réemploi des dieux passant par là, bien décidée à ne plus rien créer, si ce n'était quelques airs de polka pour faire danser tout ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et Josie Johnny dansa, et Josie Johnny dansa. Et je les ai fait danser, les cotons-tiges, les ressuscités du karma moyen jusqu'au vertige, en attendant de partir d'ici, de la ville infinie au son figé, et de redanser enfin à côté d'une forêt. Quand on y pense, ce n'est pas plus absurde qu'autre chose, non. Et ni une ni deux, je suis allée remplir mon mi-temps.